Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. Moscou accuse l'Ukraine de ce qu'elle décrit comme étant un acte de terrorisme commis par les services spéciaux ukrainiens. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que cet acte avait été perpétré, je cite, « par le régime terroriste de Kiev qui a emprunté tous les signes du crime organisé international ». Elle a également indiqué que de telles décisions étaient prises par les responsables ukrainiens ainsi que l'armée avec la participation directe des services de renseignement et des politiciens américains et britanniques. L'incident sur le pont de Crimée a tué deux personnes et blessé leur fille. Le comité d'enquête russe a déclaré avoir ouvert une enquête criminelle pour terrorisme. Il a diffusé une vidéo montrant une section de la route coupée en deux et prenant la direction de la mer. Le comité national antiterroriste de Russie affirme que le pont a été attaqué par des drones maritimes ukrainiens. Les autorités russes affirment que Kiev sait que cette partie du passage est destinée aux civils. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l'Ukraine était à l'origine de l'incident et que Moscou prendrait des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Mais Moscou ne lie pas cela avec sa décision de ne pas prolonger l'accord sur les céréales de la mer Noire. Ce soir, le point sur la situation autour de la guerre en Ukraine. Quelques jours après l'inquiétante annonce d'Emmanuel Macron de fournir des missiles Scalp de longue portée, l'attaque ukrainienne contre le pont de Kerch et l'utilisation de plus en plus généralisée par Kiev des bombes à sous-munitions fait craindre le pire. L'arbitraire et la désorganisation favorisent la corruption dans une mesure dont on ne se rend pas compte, qui est absolument gigantesque. Et c'est un des éléments de la guerre qu'il faut absolument comprendre, non seulement pour la guerre d'Ukraine, mais pour les autres. C'est-à-dire que si pour la majorité des gens que nous sommes, la guerre est l'horreur absolue, pour un certain nombre de personnes, peu de personnes, la guerre est le paradis absolu. Le paradis absolu avec... Toutes les chances, toutes les portes qui s'ouvrent, etc. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête dans un conflit. Sinon, on a une vision théorique du conflit, mais pas une vision pratique. La vision pratique, c'est comment les hommes se mettent de l'argent dans la poche avec ça. L'initiative sur les céréales de la mer Noire s'est effondrée alors que le Kremlin a annoncé que la Russie avait décidé de ne pas prolonger l'accord qui devait expirer le 17 juillet. Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan apparaissait encore plein d'espoir en déclarant qu'il pensait que le président russe Vladimir Poutine souhaitait la poursuite de l'accord. Bien qu'il n'y ait pas de sanctions occidentales spécifiquement imposées aux exportations russes d'aliments et d'engrais, Moscou a fait valoir que les restrictions sur les paiements, la logistique et l'assurance ont créé des obstacles à leurs exportations. Poutine a déclaré que les intérêts russes n'avaient pas été pris en compte. Dans le même temps, le porte-parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir été contacté par des compagnies maritimes qui ont exprimé leur volonté de poursuivre leurs expéditions si l'Ukraine et la Turquie autorisaient et soutenaient le passage en toute sécurité. En vertu des termes de l'accord, les navires qui ont quitté les ports ukrainiens situés en mer Noire étaient inspectés par une équipe à Istanbul. La décision a été largement critiquée par les dirigeants occidentaux. Le responsable de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a accusé la Russie de s'armer de la faim des gens, tandis que la Maison Blanche a pour sa part déclaré que mettre un terme à l'accord aggraverait la sécurité alimentaire et ferait du tort à des millions de personnes. De l'accord céréalier de la mer Noire jugé crucial pour l'alimentation mondiale, la Russie décide de mettre fin au corridor céréalier et pose ses conditions pour reconduire l'accord. Après la décision du Kremlin, les réactions se sont enchaînées. Via un post Twitter, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fermement condamné la décision de Moscou. Le chef de la diplomatie étrangère de Bruxelles est désormais sur la même longueur d'onde et manifeste sa posture sur les révélations du Kremlin.
Je suis vraiment désolé de dire qu'aujourd'hui, la Russie a refusé de prolonger cet accord et c'est quelque chose de très grave. Ankara, de son côté, est convaincu que la Russie pourrait reconduire cet accord humanitaire. Malgré la déclaration faite aujourd'hui, je crois que mon ami Poutine, président de la Fédération de Russie, souhaite la poursuite de ce pan humanitaire de l'accord sur les céréales de la mer Noire. Le mois prochain, nous aurons l'occasion de discuter de toutes ces questions. Nous parlerons également de la manière dont nous pouvons agir pour ouvrir la voie à l'expédition de céréales et d'engrais russes. Aujourd'hui, à minuit, les accords de la mer Noire cessent d'être valides. La Russie demeure ferme à ce sujet. Les attaques sur le pont de Crimée ne font que compliquer l'existence. Or, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a prévenu que la Russie reviendrait immédiatement à l'accord dès que ses conditions seraient satisfaites. Quelles sont justement ces conditions ? Alors, effectivement, l'accord, lorsqu'il a été conclu à l'époque, sous l'égide de l'ONU, avec la Turquie et l'Ukraine, comportait d'un côté, effectivement, une garantie pour la sortie des céréales ukrainiennes vers le marché mondial, mais en contrepartie, puisque nous sommes quand même dans une zone de conflit et que ces pays sont dans un bloc qui est opposé à celui de la Russie, en contrepartie, il y avait certains avantages qui devaient être donnés à la Russie, puisque si l'on parle de lutte contre la famine, dans ce cas-là, il était logique, effectivement, notamment de lever certaines sanctions et de réouvrir le marché mondial aux produits agricoles russes. Malgré un certain travail d'entremise à peu près de l'ONU qui n'a strictement aucun poids politique, rien n'a été fait. Parallèlement à ça, se posait également la question de la reconnexion au système SWIFT de certaines banques russes qui sont liées au domaine agricole. Donc soit il y avait réellement une volonté, on va dire, de lutter contre la famine, d'éviter un envol des marchés céréaliers, et dans ce cas-là, l'Occident aurait dû remplir sa part du marché. Or, l'on voit que ça n'a absolument pas été rempli. Par ailleurs, il faut quand même pas oublier qu'une infime partie des céréales sorties d'Ukraine vont finalement arriver vers les pays qui en avaient réellement besoin. Elles sont principalement allées vers les pays occidentaux, ce qui a permis de soutenir l'économie occidentale et le marché occidental. Justement. La fin du monde. Les exportations de céréales maintenues sans la Russie. Réaction de Volodymyr Zelensky après la fin de cet accord annoncé plus tôt ce lundi par Moscou. Négocié l'été dernier par l'ONU et la Turquie, Recep Tayyip Erdogan veut malgré tout rester optimiste. Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Un besoin humanitaire de taille pour de nombreux pays qui dépendent fortement du blé ukrainien, et Charles Michel l'a bien compris. This agreement, together with the European solidarity lanes, it is helping to make sure that the most vulnerable countries have access to the grains and to the fertilizers they need for the people, for the population. And that's why we fully support all the efforts of Antonio Guterres to make sure that the continuity of this agreement will be guaranteed. Pour José Borrell, Vladimir Poutine utilise avec cet accord la faim comme une arme de guerre, un accord qui a permis l'exportation de 33 millions de tonnes de céréales. Karine Béchet-Golovko, vous vivez à Moscou, je le rappelle, vous les entendez de là où vous êtes, les critiques occidentales à l'endroit du président russe Vladimir Poutine, cette rengaine qui consiste à dire que la suspension de l'accord fait partie de l'arsenal de guerre psychologique de Poutine. Il brandit l'arme alimentaire pour faire bouger les lignes des soutiens occidentaux envers l'Ukraine. Un commentaire. On va dire comme reproche, hein, puisque si effectivement l'arme alimentaire est utilisée, elle est utilisée par les pays de l'Occident. Parce que qui les empêchait de remplir leurs obligations? Dans ce cas-là, la Russie n'aurait eu certainement aucune raison de refuser la reconduction de cet accord céréalier. Rappelons-nous quand même que déjà la dernière fois, elle avait menacé de ne pas reconduire si les
les autres pays membres, c'est-à-dire les pays européens notamment, ne remplissaient pas leur part d'obligation. Elle a quand même reconduit. Et en fait, si vous voulez, cette façon de vouloir éviter le conflit là où il n'est absolument pas nécessaire a été interprétée comme un geste de faiblesse. Nous sommes malheureusement confrontés à une réduction, une régression de la diplomatie en Occident qui fait assez mal au cœur à voir pour moi en tant que Française. Parce que, justement, ils ne comprennent plus que la force. C'est-à-dire qu'à partir moment où la Russie finalement a dit maintenant ça suffit, dans ce cas-là, il se réveille. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi sur ces affaires-là, je m'énerve. Parce que la diplomatie, la vraie diplomatie, pas faire perdurer les carreaux fêlés, pas faire des soirées petits fours pour faire les pompes à l'ambassadeur allemand, comme se vantent de le faire la plupart des mecs du Quai d'Orsay. À l'époque de Douste Blasi, si vous voulez, on les surnommait Mickey d'Orsay, pour vous dire le niveau où on est tombé. Maintenant, on a des ambassadeurs droits de l'homme. C'est-à-dire, c'est régressif, d'accord, par rapport à ce qu'est une vraie diplomatie. Le conflit en Ukraine va-t-il embraser l'Europe avant la fin de l'été? Dans la nuit de dimanche à lundi, le pont de Kerch, reliant la péninsule de Crimée à la Russie, a subi une nouvelle attaque. Un homme et une femme sont morts et leur fille mineure a été blessée dans cette opération revendiquée dès lundi matin par les services secrets, le SBU et la marine ukrainienne. Une attaque au camion piégé avait déjà ciblé le pont de Crimée en octobre dernier. À l'époque, il n'y avait pas eu de revendication de la part des Ukrainiens, mais Vladimir Poutine considérait l'implication du SBU comme acquise. Гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики, спецслужбы. Si la pérennité de l'attaque de dimanche ne fait pas davantage débat qu'en octobre dernier, il semble que le mode opératoire soit différent. Selon le SBU, des drones navals auraient en effet ciblé l'infrastructure russe. Des investigations vont être menées par la Russie, comme l'annonce la porte-parole du comité d'enquête russe Svetlana Petrenko. Следственным комитетом России в связи с повреждением Крымского моста возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть террористический акт. По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Si l'objectif ukrainien est de couper la liaison entre la Crimée et sa région d'annexion russe de Krasnodar, le pont de Kerch est avant tout une cible privilégié pour sa portée symbolique. En effet, le territoire étant redevenu russe depuis 2014, Kiev veut laisser entendre que la Crimée, à l'instar des régions de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporijja, ne sont pas sécurisées par Moscou. La Russie considère également le pont de Kerch comme un important symbole et la riposte contre l'Ukraine ne devrait pas tarder. À plus forte raison que cette attaque s'inscrit dans une phase très inquiétante de la guerre. En effet, le sommet de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de Vilnius la semaine dernière, a entériné un nouveau seuil dans les annonces de fourniture d'armes. Emmanuel Macron a notamment cru judicieux d'annoncer l'envoi de missiles Scalp, la version française des Shadow Storm britanniques. Il s'agit donc de missiles à longue portée qui pourront donc potentiellement frapper non pas seulement le théâtre de guerre actuel, mais le territoire russe. Rappelons à ce titre que l'incursion à la frontière russe à Belgorod fin mai avait consacré en silence l'utilisation d'armes occidentales par le côté ukrainien sur la Russie, au mépris des promesses de Kiev. Par ailleurs, si Emmanuel Macron a bien annoncé l'envoi de Scalp à Kiev, Paris n'a jamais décidé de livrer des Rafales, les avions de chasse capables de lancer ces fameux Scalp, lesquels ne peuvent en l'état pas être utilisés avec des F-16 américains. La déclaration d'Emmanuel Macron pourrait donc également être réduite à son caractère d'annonce de communication, tout en frayant avec la dangereuse ligne rouge. Dans ce cadre, d'autres armes occidentales posent encore davantage de questions, les armes à sous-munitions. Composées d'un conteneur ou d'une bombe-mère remplie d'autres bombes de taille plus petite, les bombes à sous-munitions sont larguées dans le ciel par des avions et explosent sur commande pour libérer les autres charges. Ces dernières sont en résumé soit des armes anti-chars, soit des mines anti-personnel, dont l'explosion est par définition retardé. Ce type d'arme est condamné par une grande partie de la communauté internationale et les pays signataires de la Convention d'Oslo se sont engagés en 2008 à ne pas y recourir. La France
était d'ailleurs parmi les premiers signataires. Ni la Pologne, ni les États-Unis, ni la Russie, ni l'Ukraine l'ont en revanche validé. Washington a d'ailleurs déjà fourni à l'Ukraine des armes à sous-munitions et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré qu'elles seraient utilisées dans les heures qui viennent. Si ces bombes à sous-munitions sont condamnées par le droit international, c'est à cause de leur très grande dangerosité pour les populations civiles. En effet, les mines délabrent des territoires entiers où les opérations de déminage ne suffisent jamais à écarter tout le danger. Ces armes ont d'ores et déjà été utilisées par l'Ukraine depuis l'entrée des troupes russes dans le pays, ce que les Nations Unies ont d'ailleurs condamné officiellement. Aucune instance occidentale n'a en revanche apporté la preuve que Moscou en avait fait usage, ce que d'ailleurs Vladimir Poutine a aussi confirmé et pour cause. Le président russe a annoncé l'opération en Ukraine en déclarant devoir porter secours aux populations russophones du Donbass. Il serait donc bien surprenant de voir la Russie miner un territoire annexé à la Russie. En réalité, la multiplication de ces armes à sous-munitions cache une vérité que les médias et l'Occident refusent toutefois d'avouer. Les armes plus conventionnelles manquent cruellement à l'Ukraine pour qui la contre-offensive semble définitivement pliée. En juin dernier, à l'annonce de l'envoi de F-16 américains, Vladimir Poutine avait d'ores et déjà déclaré que les armes occidentales seraient méthodiquement détruites une à une. Les armes à sous-munitions sont donc censées être une réponse à la pénurie réelle de munitions et d'armes du camp ukrainien, de quoi considérer que l'utilisation de ces dernières par Kiev est une nouvelle démonstration de l'inutilité de l'aide militaire occidentale dans ce conflit. Par ailleurs, cette justification d'utiliser des armes particulièrement meurtrières au mépris de certains engagements et au prétexte qu'il n'y a plus d'autres armes disponibles laisse craindre le pire concernant la bombe atomique, un emballement dangereux et tellement prévisible que les négociations de paix rapide auraient dû être menées à bien, au lieu de les saboter une à une, tantôt depuis Washington, tantôt depuis Londres. Les villes de Mykolaïv et Odessa visées dans la nuit de lundi à mardi par les forces russes selon l'armée ukrainienne. 36 drones et 6 missiles ont ciblé le territoire ukrainien, tous interceptés par l'armée du pays. Mais leur onde de choc et leurs débris ont toutefois endommagé les infrastructures portuaires et plusieurs habitations. Autre ville portuaire attaquée, celle de Sébastopol, située sur la péninsule de Crimée, qui est sous annexion de Moscou depuis 2014. Le ministère de la Défense russe a évoqué ce mardi 28 drones neutralisés qui n'ont fait aucune victime ni causé de dégâts matériels. La Crimée cible d'attaques constantes depuis dimanche. Le pont de la péninsule, cher à Vladimir Poutine, qui a été attaqué par l'Ukraine la veille, a rouvert partiellement à la circulation. Autant de villes portuaires ciblées de part et d'autre, et ce, au lendemain du retrait russe sur l'accord céréalier en mer Noire. L'Ukraine s'est transformée en compagnie militaire privée de l'Occident, a déclaré lundi le vice-représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Dmitri Polyansky. Le diplomate russe a rappelé que les autorités ukrainiennes avaient paraphé en mars 2022 à Istanbul un projet d'accord avec Moscou, mais finalement elles ont été renoncées au règlement pacifique sous la pression de Londres. C'est là où la guerre hybride menée par l'OTAN contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien est entrée dans une phase chaude et l'Ukraine s'est transformée en compagnie militaire privée engagée par Washington, Londres et Bruxelles, a-t-il déclaré lors de son intervention au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce que je veux dire, c'est que la Russie n'appartient pas à la clique des gens les plus riches. Voilà. Tandis que en Ukraine, ce sont ces gens-là, les Kolomoïski, tous ces gens-là, ils ont le pouvoir. Le chef d'État et leurs marionnettes. Alors, ça change complètement les choses. Ça ressemble à la Russie du temps d'Eltsine. Ben, bien sûr, voilà. C'est ça. Du temps d'Eltsine. Sauf que quand les Américains ont pris le pouvoir en Ukraine à partir de 2014, et même un peu avant, ils n'ont pas changé le système, ils l'ont aggravé au contraire. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'Ukraine est dans un état économique, même avant la guerre, dans un état pitoyable. Elle a perdu 10 millions de populations qui sont tellement pauvres qu'ils partent à l'étranger, etc. Ce pays qui était le plus riche de l'Union soviétique... Et aujourd'hui, le plus pauvre, et tout le monde profite de cette pauvreté, y compris d'ailleurs les pays étrangers qui en ont fait, tous les pays, l'Allemagne, la Pologne, etc., qui en ont fait les sous-traitants, parce que beaucoup de produits, en fait, qui sont vendus en Europe sous le label Made in Europe, en fait, sont fabriqués, maintenant, pas pendant la guerre, mais étaient fabriqués. En Ukraine, l'Ukraine a servi de supplétif de la Chine pour l'Europe pendant de très nombreuses années sans que personne ne le dise. Oui, parce que... Et par ailleurs, et je termine là-dessus, les oligarques
ont eu intérêt aussi à couler le pays, parce que comme ils pensaient à terme que les Russes d'abord n'attaqueraient pas puisqu'ils ne l'ont pas fait pendant 8 ans, leur but c'était de racheter les terres du Donbass pour pouvoir construire des usines, le pétrole, ils pensaient qu'il y aurait du pétrole, du gaz, etc. Tout ça, c'est pour ça que Burisma, la société de Biden et de son fils oui, et de lui derrière... Oui, donc là, vous parlez des Américains, là. Je parle des Américains, étaient de mèche avec les oligarques pour laisser mettre le pays à volo pour pouvoir le racheter moins cher. Darius, je ne sais pas trop quoi, ce Suisse échappé de chez la mère Arthur, qui arrive dans la chaîne LCI de M. Bouygues, parce que M. Bouygues pense... qu'il est prédestiné à reconstruire l'Ukraine et essaye de soupeser les bourses en or qu'il pense y gagner. Hein, comme quoi, il n'y a pas que Monsieur Le Maire qui a des problèmes de bourse en ce moment. Depuis quand on doit se refiler des Iraniens à passeport suisse pour venir nous faire la leçon ? De nouveaux mercenaires du groupe Wagner seraient entrés au Bélarus. C'est ce qu'affirme un groupe de surveillance indépendant qui suit les mouvements des forces armées sur le territoire. Un convoi de 100 véhicules aurait franchi la frontière ce lundi. Selon la même source, il s'agit du troisième à entrer sur le territoire bélarusse depuis l'accord qui a mis fin à la mutinerie du groupe en Russie il y a 3 semaines. Aucun chiffre officiel concernant le nombre de soldats Wagner présents au Bélarus n'a été communiqué par Minsk. Pour le président Alexandre Loukachenko, l'arrivée de ces mercenaires est une bonne chose pour son armée, qui pourra bénéficier de leur expérience de combat. Des camps ont été mis à disposition des combattants du groupe paramilitaire qui ont commencé à travailler comme instructeurs la semaine dernière. De l'autre côté de la frontière en Russie, les hommes d'Evgeny Prigojine se replient. Dans une vidéo diffusée sur le réseau Telegram, le groupe a annoncé la fermeture prochaine de sa principale base dans le pays, avec pour objectif de nouveaux sites de déploiement. La dette publique mondiale explose. Elle échapperait presque à tout contrôle si l'on tient compte du montant stratosphérique qu'elle a atteint, 92 milliards de dollars selon le dernier rapport onusien publié par la CNUSET et intitulé à juste titre « A World of Debt, un monde de dette ». La sonnette d'alarme est tirée depuis New York. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, choisit de mettre le curseur sur les pays en développement qu'il blâme à demi-mot. Ou peut-être c'est le système financier international qu'il blâme. Quoi qu'il en soit, s'endetter devient en temps de crise l'unique moyen pour certains pays qui le peuvent de pouvoir financer leur budget. 92 000 milliards de dollars, c'est le chiffre du jour. Ce montant colossal fait référence à la dette publique mondiale, dont 30% est assumé par les pays en voie de développement. C'est un nouveau rapport des Nations Unies qui a mis la lumière sur l'état de la dette mondiale et sonne l'alarme sur une catastrophe pour le développement. Selon un rapport de A World of Debt, près de 40% du monde en développement, ce qui représente un total de 52 pays, a un grave problème d'endettement. Allant dans ce sens, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avertit que pas moins de 3,3 milliards de personnes dans le monde subissent les répercussions néfastes de la politique des gouvernements qui privilégient le paiement des intérêts de la dette au détriment des investissements essentiels. Pour prendre le pouls et avoir une idée de la situation, la Chine est aujourd'hui le premier créancier au monde. Les États-Unis sont les premiers débiteurs. Pékin est le principal détenteur étranger de la dette gouvernementale américaine, ce qui pourrait donner à Pékin un pouvoir sans précédent sur Washington. Les deux pays cumulent à eux deux 43 000 milliards de dettes publiques. Quant à la France, le pays vient de dépasser ce qu'il a appelé le seuil des 3 trillions de dollars de dette. Le rapport de l'ONU souligne que les pays en développement sont fortement exposés aux chocs externes, précisément parce qu'ils doivent assurer le remboursement de la dette en devises étrangères. Guterres est justement revenu sur les coûts des emprunts qui, selon ses dires, seraient en moyenne 4 fois plus élevés pour les pays africains que pour les États-Unis et 8 fois plus élevés que pour les économies européennes les plus riches. D'outils financiers importants, la dette est finalement devenue aujourd'hui un engrenage qui génère simplement plus de dettes. Le réchauffement climatique exige une nouvelle définition de la coopération entre la Chine et les États-Unis. Ce sont les mots de l'émissaire américain pour le climat, John Kerry.
Arrivé dimanche en Chine, l'envoyé spécial de Joe Biden est en déplacement jusqu'à mercredi pour renouer le dialogue entre les deux plus gros pollueurs de la planète. China and the United States are the two most powerful economies in the world. We also happen to be the two largest emitters of greenhouse gases. And so the imperative of our two countries coming together and working and showing the rest of the world how we can cooperate and begin to address this with the urgency it requires is incredible. Les relations entre les deux pays sont au point mort depuis la visite à Taïwan, il y a près d'un an, de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants. Le 25 juin, Xi Jinping rencontrait à Pékin ses homologues vietnamiens et sri-lankais. Depuis, silence radio. Le chef de la diplomatie chinoise n'est plus jamais apparu en public. Une disparition inhabituelle alors qu'il avait des contacts publics avec des dignitaires étrangers, pratiquement un jour sur deux avant sa disparition. Il a même annulé plusieurs rencontres officielles, notamment avec le secrétaire d'État américain et le chef de la diplomatie européenne. La raison officielle, Xi Jinping serait malade. Le gouvernement chinois refuse de donner plus d'informations sur le ministre et cette opacité provoque des rumeurs. Des médias d'opposition chinois affirment que Xi Jinping avait une relation avec une journaliste d'un média hongkongais avec qui il aurait eu un enfant, en dehors de son mariage. Si cette rumeur était avérée, elle expliquerait une possible mise au ban par le président chinois qui recherche l'exemplarité chez les cadres de son gouvernement. Ce n'est pas le premier exemple de disparition dans les cercles du pouvoir chinois. Le milliardaire et fondateur du site Alibaba, Jack Ma, a pratiquement disparu de l'espace public pendant 3 ans, entre 2020 et 2023. Personnalité publique très populaire, il avait critiqué les régulations imposées par la Chine aux entreprises. Autre cas, celui de Meng Hongwei. Ancien vice-premier ministre, il était en 2018 chef d'Interpol, avant d'envoyer abruptement sa lettre de démission et de disparaître. Il réapparaît en public pour la première fois en 2019 lors d'un procès pour corruption. Il est condamné dans la foulée à 13 ans de prison. Et le deuxième, c'est Joe Biden qui vient de signer le projet de loi sur le plafond de la dette avec un impact qui sera immédiat sur les travailleurs et les pauvres. Biden a gardé des choses de Donald Trump, mais il n'a pas gardé le meilleur. C'est-à-dire que, en réalité, Biden est un mondialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que pour que la caste occidentale, ce que Keith Van Der Pige appelle l'élite euro-américaine, se maintienne dans la mondialisation, il faut en passer par le renoncement à une partie d'intérêts nationaux. Trump, lui, est un occidentaliste, mais c'est avant tout un nationaliste américain, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne lâche pas les intérêts américains. Et je pense que les États-Unis préfèrent, enfin que l'élite démocrate, pour ne pas que la mondialisation s'arrête, parce que la mondialisation, il ne faut pas oublier qu'elle est, la mondialisation, elle existe parce que l'US Navy tient les mers, elle existe parce que le dollar est une monnaie et la monnaie monde. Elle existe, si vous voulez, il y a des conditions objectives de maintien de la mondialisation. La mondialisation, Hervé Couteau-Bégari, un de nos regrettés maîtres, l'avait prévu. Il avait dit 2030, la fin de la mondialisation. Il écrit ça, on est au début des années 2000. Quoi. Le maître Couteau-Bégari nous a quittés il y a longtemps maintenant. Un grand monsieur. Donc voilà. C'est l'Amérique comme gardienne de la mondialisation s'affaiblit, et à un moment, l'Amérique va tout simplement devoir, ce qui était l'optique de Donald Trump, négocier le monde nouveau à ses conditions. Parce qu'il n'y aura pas de monde contre l'Amérique, hein, je vous le dis tout de suite. La colère a gagné les rues de Jenin tard ce lundi soir. Des centaines de Palestiniens sont venus dénoncer l'arrestation de 5 membres du djihad islamique par l'autorité palestinienne. Des hommes recherchés par Israël depuis plusieurs jours. Après la grande opération antiterroriste dans le camp de réfugiés il y a 15 jours, Israël avait pressé Ramallah de prendre des mesures plus sévères contre le djihad islamique et le Hamas, soutenu par l'Iran. Ces manifestants palestiniens dénoncent ces arrestations et accusent l'autorité palestinienne de faiblesse.
Nous sommes contre les arrestations, c'est sûr. Nous soutenons la Katiba, les brigades de Jenin. Nos fils ont commencé, ils ont continué. Une personne qui rend son arme est une personne qui renonce à son honneur. Pendant ce temps, les brigades Al-Qassam du Hamas appellent les Palestiniens à sortir et à tenir tête aux forces de l'autorité palestinienne. Le Hamas appelle Ramallah à libérer immédiatement les héros du peuple palestinien. Pour le chef du djihad islamique à Gaza, il s'agit d'une trahison. Les actions menées actuellement par l'autorité palestinienne et ses forces de sécurité en Cisjordanie et dans le camp de Jenin sont sans aucun doute une trahison morale et nationale qui ne peut être acceptée. Elle ne peut être acceptée par aucune personne libre sur cette terre. Le peuple palestinien est une nation résiliente. Au lendemain de ces arrestations, Israël n'a fait aucun commentaire. Après les tremblements de terre dévastateurs survenus en Syrie et en Turquie, Damas entame les travaux de restauration de la citadelle historique d'Alep. Des professionnels locaux du Fonds syrien pour le développement, en coopération avec la Direction générale des Antiquités, dirigent le projet. Les travaux ont pour objectif de protéger et de préserver le patrimoine matériel et immatériel de la vieille ville. De nombreux sites sont structurellement endommagés et les travaux de consolidation se concentreront sur l'entrée de la citadelle d'Alep et sur certains sites à l'intérieur de la citadelle. Cela se fait en coordination avec la direction des antiquités et des musées et avec Diari, une société affiliée au Fonds syrien pour le développement. Et sur cette base, les sites doivent être restaurés dans leur état historique. Dans les vieux marchés d'Alep, déjà endommagés lors des batailles qui ont eu lieu entre les forces gouvernementales et les rebelles, les tremblements de terre ont exacerbé les destructions. Les travaux de restauration sont devenus nécessaires pour les sauver d'un effondrement total. Ce qui est en train d'être réalisé, c'est le marché oriental de Sakatiya, en commençant par abaisser le niveau de la route, en enlevant les carreaux de pierre, en reconstruisant l'infrastructure, l'assainissement et l'eau potable, et en transformant le réseau électrique et pneumatique déformé des façades, ce qui implique de travailler sous terre, puis de refaire le pavage des carreaux. Les façades en pierre détruites par le terrorisme sont aujourd'hui réhabilitées. La citadelle d'Alep est l'un des plus importants sites archéologiques de Syrie, touché par les tremblements de terre qui ont frappé le 6 février dernier. Et elle a été fermée suite au risque posé par son entrée principale aux visiteurs. Selon les spécialistes, les travaux de restauration devraient durer 4 mois et se dérouleront par étapes. Les propriétaires des boutiques des marchés d'Alep travaillent également à la restauration de leurs locaux. Déclaré persona non grata au Sénégal, Juan Branco est en plus visé par un mandat d'arrêt international requis à son encontre par Dakar pour crimes et délits en lien avec les troubles survenus en juin dans le pays. L'avocat français de l'opposant Ousmane Sonko faisait jeudi l'objet d'un signalement aux autorités judiciaires françaises pour avoir divulgué les identités de 2 fonctionnaires français travaillant au Sénégal. Juan Branco avait annoncé le 22 juin avoir déposé une plainte en France, une demande d'enquête à la Cour pénale internationale contre le président sénégalais Macky Sall pour crime contre l'humanité après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Pendant plusieurs jours, d'importants saccages avaient eu lieu dans le pays et plus de 16 personnes sont mortes lors des affrontements. Voici Fiona Scott Morton, inconnue du grand public, cette américaine de 56 ans va intégrer la Commission européenne. Professeure d'économie à l'université de Yale, elle a travaillé pour l'administration Obama en 2011 et 2012. Mais depuis sa nomination il y a quelques jours, les critiques se multiplient, en particulier ici en France. La ministre des Affaires étrangères notamment a réagi. Étonnement devant la nomination de l'économiste en chef de la direction concurrence de la Commission européenne. La régulation du numérique est un enjeu capital pour la France et pour l'Europe. Cette nomination mérite d'être reconsidérée. Pas question, selon Bruxelles, qui rejette la demande de Paris. Pourtant, les inquiétudes sont bien là. Elles concernent le poste offert à Fiona Scott Morton. Elle sera chargée de faire respecter les règles de la concurrence. Mais elle a collaboré avec des groupes comme Amazon ou Apple, des géants du numérique accusés de pratiques anticoncurrentielles. Il y aurait donc conflit d'intérêts, comme le révélait déjà cet article en 2020. Fiona Scott Morton est largement reconnue comme une experte antitrust de premier plan, connue pour ses mises en garde selon lesquelles les géants américains de la technologie étoufferaient la concurrence et l'innovation.
Pourtant, elle conseille également deux des plus grands noms de la tech, Amazon et Apple, alors qu'ils font l'objet d'enquêtes antitrust du gouvernement américain. Les GAFAM font également l'objet de nombreux contentieux en Europe. En 2018, par exemple, Bruxelles a infligé une amende record de plus de 4 milliards d'euros à Google pour non-respect de la concurrence. Tout d'abord, quelles sont les responsabilités du chef de la concurrence européenne au sein de la Commission ? Plus exactement, elle sera nommée chef des études économiques auprès de la Direction générale de la concurrence, mais cette affaire n'est pas simplement un scandale, c'est une véritable trahison des intérêts fondamentaux de l'Union européenne. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que cette personne, qui est une universitaire remarquable, qui a notamment étudié au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et à Yale, a été au DOT, c'est-à-dire au ministère de la Justice, qui est à l'origine d'une politique de sanctions financières des entreprises européennes absolument invraisemblable. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, qui permet à la justice américaine de condamner n'importe quelle entreprise concurrente des entreprises américaines si les transactions, par exemple, sont en dollars ou si ces entreprises travaillent avec des serveurs américains, ce qui est le cas de la plupart des entreprises dans le monde entier. 50 milliards ou 60 milliards ont été ainsi raquettés auprès des entreprises européennes au cours des 10 dernières années. 50 à 60 milliards. Elle a travaillé au DOD. C'est pas la seule chose, c'est pas le seul scandale. Elle va travailler au sein de la Direction générale de la concurrence, qui a fait subir aux entreprises du GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc., des sanctions financières et des sanctions juridiques importantes, alors qu'elle-même a conseillé Microsoft dans le passé, Apple et d'autres sociétés du numérique, d'autres géants du numérique américains. C'est un scandale absolument invraisemblable. De surcroît, étant à la Direction générale de la concurrence, elle va être au cœur des réponses européennes au plan Biden de subvention des entreprises américaines, qui est un plan qui déroge à toutes les règles de la concurrence mondiale, notamment de celles qui sont fixées par l'Organisation mondiale du commerce, un plan de 370 milliards de dollars prévu initialement en 2022, mais qui devrait atteindre en réalité 1000 milliards dans les prochaines années. Donc elle va être au cœur des réponses européennes à ce plan qui déroge complètement aux règles de la concurrence. C'est invraisemblable. Okay, alors, mais le fait que ce soit une Américaine, oui. Cher Philippe, David, que ce soit une Américaine qui soit désignée pour exercer cette fonction, et je dis, c'est plus qu'un scandale, c'est une trahison des intérêts fondamentaux de l'Union européenne. Des vagues de chaleur et des incendies font rage dans le sud de l'Europe, en particulier autour du bassin méditerranéen. En Grèce, les vents violents entravent le travail des pompiers qui ont dû intervenir sur plusieurs fronts autour d'Athènes. Trois villes et une colonie de vacances accueillant plus de 900 enfants ont été évacués. La police a arrêté un suspect. En Espagne, l'incendie qui s'est déclaré samedi sur l'île de La Palma évolue favorablement, bien qu'il y ait encore plusieurs fronts actifs. Environ 3500 hectares et une vingtaine de bâtiments ont été ravagés. La plupart des 4000 personnes évacuées ont déjà pu regagner leur domicile. En Italie, le thermomètre devrait dépasser les 40 degrés ce mardi, notamment dans la capitale Rome. Le pays est également confronté à des incendies. La police enquête sur l'origine d'un feu qui s'est déclaré dimanche soir à l'aéroport de Catane. Les autorités ont suspendu tous les vols jusqu'à mercredi prochain. Europe 1 midi. Bon, pour ceux qui s'étaient imaginé un petit extra cet été, va falloir recalculer le budget de la maison ou celui de l'entreprise, car ce dont on va parler concerne aussi les TPE, les très petites entreprises. Au 1er août, tenez-vous bien, les tarifs de l'électricité augmentent 10% de plus en moyenne. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1 nous a rejoint. Bonjour Baptiste. Bonjour Pierre. Et la facture va donc augmenter. Oui, pour un consommateur moyen au chauffage électrique, la facture annuelle va passer de 1640 à 1800 euros. Augmentation donc de 160 euros sur l'année, quelques 13 euros de plus chaque mois. L'augmentation des prix de l'électricité s'explique par trois facteurs principaux, comme le rappelle Laurent Bernard, cofondateur d'EcoJoco, une solution pour limiter le gaspillage d'électricité. Le parc nucléaire, sa disponibilité, l'impact du prix du gaz suite à la guerre en Ukraine et les chamboulements énormes qu'il y a eu, mais aussi le problème de sécheresse, tout ça, c'est des éléments qui impactent le prix de l'électricité. Donc là, on a un douloureux rappel.
Rappel donc, plus 10% d'augmentation des prix sont concernés par cette hausse. Les clients dont la puissance des compteurs n'excède pas 36 kV-ampères. En pratique donc, près de 22 millions de ménages et 1,5 million de petites entreprises, des commerçants, des artisans. Rappelons que les grandes entreprises, elles, ne bénéficient pas de ce bouclier tarifaire. Alors, est-ce la fin du bouclier tarifaire, justement ? La fin, non. Au 1er août, l'État prendra encore à sa charge plus du tiers de notre facture, mais un effacement progressif, ça on peut le dire, il faut se rappeler que ce bouclier tarifaire, il remonte au mois d'octobre 2021. Jusqu'à la fin de cette année 2021, les tarifs étaient tout simplement gelés, c'était l'urgence. À partir du 1er janvier 2022, la hausse des prix a été limitée à 4%. Depuis le 1er février dernier, elle est limitée à 15%, et donc au 1er août, dans deux semaines, nouvelle hausse de 10%, et une prochaine est à prévoir, au 1er février prochain, en 2024, jusqu'à la fin du bouclier qui nous est annoncé pour le 1er janvier 2025. Pour autant, les clients français sont plutôt bien lotis. D'après les estimations de la Commission de régulation de l'énergie, sans bouclier tarifaire, les prix de l'électricité auraient bondi de 35% en 2022, de 100% cette année. Ah ouais, et puis alors octobre 2021, le bouclier tarifaire, ça fait long longtemps. Ça fait long, et merci. La facture est salée pour l'État. Exactement, merci. Information Europe 1, le policier présumé responsable de la mort de Naël reste en prison. Sa demande de parloir lui a été refusée. Et on rappelle qu'il est mis en examen pour homicide volontaire, placé en détention préventive à la prison de la Santé depuis 3 semaines. Il n'a pas reçu la moindre visite de sa femme et de ses enfants. La justice s'y oppose catégoriquement, William Molinier. Oui, c'est bien que son entourage s'interroge. Pourquoi le juge d'instruction en charge de l'affaire n'autorise-t-il pas de permis de visite ? Selon les informations d'Europe 1, en 3 semaines de détention, ce policier n'a pas eu la possibilité de voir sa famille. Tout juste a-t-il pu parler à sa femme, mais uniquement au téléphone. Depuis sa cellule de la prison de la Santé à Paris, où il a été placé à l'isolement, il croupit comme un chien. On le considère comme le pire des délinquants, s'agace un membre des forces de l'ordre. Ses proches ont pourtant écrit au magistrat pour obtenir un droit de visite, mais sur le papier, le juge n'est pas contraint d'y donner suite dans l'immédiat. Il dispose d'un délai de 20 jours et c'est bien cela qui irrite aujourd'hui les collègues de l'auteur du tir sur Naël. Le juge aurait pu accorder rapidement un parloir à sa femme. Vu le lynchage médiatique, ça aurait été la moindre des choses, poursuit un policier. Selon les informations d'Europe 1, son avocat, maître Laurent Franck Liénard, devrait faire la semaine prochaine une nouvelle demande de remise en liberté et proposer un placement sous bracelet électronique en guise de contrôle judiciaire. Un nouveau traitement pour lutter contre Alzheimer a conclu des essais cliniques prometteurs. Développé par le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly, le médicament a permis de ralentir la maladie chez les patients pris en charge à un stade précoce. Il pourra obtenir prochainement l'autorisation du régulateur de santé américain qui avait approuvé en mai dernier un autre traitement. Les laboratoires se livrent une véritable bataille contre Alzheimer. Plus la maladie est traitée tôt, plus les résultats semble efficace. We're actually about to start a trial called primary prevention in people with genetic Alzheimer's disease. They know they have a mutation, but they are 25 years or so before they're due to get symptoms. The aim is, if you can give them an anti-amyloid therapy, can you prevent the disease ever starting? And we're going to start that in the next few months, which I think is really exciting. Les experts se montrent toutefois prudents sur le médicament du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly. Ils notent des bénéfices modestes et des effets secondaires potentiellement dangereux. Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur.